la source. Quoi? Il y a des trucs comme ça à la source. Qu'est-ce que c'est? Bah, passer le truc. Bienvenue dans le vlog! C'est jungle. Et attention! It's banjo. Look at the banjo. She's listening to Ishidashi in her free time. On a une grosse journée aujourd'hui. On va sûrement rencontrer Avril, mon amoureuse. Et aller faire un escape room. Yes. Et après, on a encore un show des vulgaires machins. Nous sommes en train de marcher le chien. Attends, regardez cette belle shot. Beautiful. Street art. Isn't it? Urban architecture. Marvin Gaye. C'est Marvin Gaye? Ragoudra de Gouttière. Le quoi? La ragoudra de Gouttière. Le bon ragout. Le bon ragout. C'est bon, c'est bon, je l'ai. Yes. T'as filmé? C'est dans la boîte? Wow! Tu l'as eu? Ouais. Yeah! Is it you, James the Blooms? Yes, I'm the greatest singer ever. I can sing you a song. Sing! Flying down bear, zinger gong gurga, zinger gong gurga. I'm George the Blooms. Fait le plan? Moi je dirais allons à Chinatown rejoindre des copines à nous ou quoi. Parfait, mais sinon parkour! Je suis pas fier de celle-là. C'est une statue de toi? Non. Mais c'est vrai qu'il me ressemble, mais c'est... Je pense que c'est... Je pense que c'est... Qu'est-ce que t'as pris? Je pense que c'est lard, oignon vert et béchamel. Puis, c'est bon? C'est bon. Moi j'ai pris un truc, maïs et jambon. La célébrité, qu'est-ce qu'elle fait, la célébrité? Qu'est-ce qu'elle... C'est quoi? C'est la célébrité... C'est quoi? C'est... Mais non, mais c'est fou de faire ça! C'est quoi que t'as pris? L'arrogance. Ah là là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On est retourné à la case départ, donc. C'est vrai, à Berry-UQAM. De retour à Berry-UQAM. Après avoir mangé de la nourriture très moyenne. C'est vraiment moyen. Et finalement, ben oui, mon truc c'était du jambon avec du maïs et du beurre. J'adore. J'ai quelque chose à dire.
Nouvelle alcoolique, je bois verre après verre, la corde tirée sur mon arc et autour de ta tête. Je suis mature et nature quand j'entends te parler. Non, mon corps, c'est quoi? Quand je repense à ta plaie, tu me manges de l'intérieur comme un rat d'égout amer. Embrasse-moi langoureusement comme la payère ta mère. Embrasse-moi langoureusement comme la payère ta mère. En fait, je suis ta plus grande fan. Puis je me suis immiscée dans ta vie quand t'avais 7 ans, en fait. Pour aujourd'hui pouvoir juste être dans ta vie puis être à proche de toi. Mais j'ai aucun intérêt vraiment pour ta personne, je suis juste complètement folle. Ah, c'est réellement une caméra? C'est une grosse nouvelle, hein. Salut! J'ai réfléchi à un sketch en étant aux toilettes. Sur le trône. Sur le petit trône. Le petit trône d'ivoire, si vous voulez bien sûr. Un petit sketch, genre quelqu'un qui a fait un film. C'est genre un. Il manque des films de genre d'animation avec des animaux qui parlent, si on en a plus, genre. Je commence à saigner genre vraiment fort de là. Puis comme j'ai l'impression que je saigne, puis là tu commences. Je me disais aussi que c'était pas très long. Mais c'est un peu absurde. Peut-être que ça pourrait être drôle. Mais c'est juste que j'ai rien compris de ce que tu m'as dit. Moi non plus. Hey, les happenings là sont assez comme chez. Elles sont. Oh, on m'appelle. C'est Avril. Je savais. Oui, allô? On est assis, trouve-nous! On va aller là-bas. Non, merde. Une imitation à nous faire? Ok. Wouhouhou! C'est moi, Mickey! Mickey Mouse! T'es... Non, arrêtez! Arrêtez, c'est un peu bien! C'est bien, il est là! Ah oui, t'es où, tu l'as quand même bien? Avec tous les petits animaux qui se promènent autour de moi là. Je me sens comme en Provence. Hein, avec les petits corbeaux qui virevoltent. Van Gogh, avez déjà vu Van Gogh? Vous avez vu Van Gogh? Moi non. Loulou. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A room full of rats. The rats made me crazy. Crazy? I was crazy once. They locked me in a room. A room full of rats. Made me crazy. I was crazy. Doudoum. 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 Oh putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Dans les commentaires, vous êtes plus blood ou cream? Bref. Sur ce, on y va en fait. On n'a pas notre caméra, mais on est rentré au spectacle. Je me suis pris du merch, je vais vous le montrer tout à l'heure. Bon allez, je vais pas filmer pendant le spectacle. On est bleu ou on n'est pas bleu? C'est bizarre. L'impression qu'on est des schtroumpfs. On n'est pas des schtroumpfs, mais on ressemble par contre. C'était incroyable. Tout était parfait. Mais il y a eu comme une intro. Les premières parties étaient fantastiques. DVTR et No Bro. No Bro était incroyable. Vraiment. Genre on aurait pris plus, même. Ouais. C'est devenu très très intense. J'ai perdu mon soulier. J'ai eu la chance de le retrouver, de le mettre. Les gens étaient bien gentils. Après un spectacle, rien de mieux qu'un bon petit hot dog de chez Pool Room. Hein, Théo? Oh yeah. Tu m'exposes dans... Non, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal que tu viens de faire. Là. Merde. Les gens vont mal. T'as les mains. Je fais de mon mieux, tout le monde. Je fais de mon mieux. Donc déjà, on commence avec la première partie. Donc DVTR qui ont sorti un petit EP, je l'ai pris en cassette. Bien sympathique. Donc voilà, DVTR. Une EP qui s'appelle Bonjour. Bonjour. De la deuxième première partie. Et ce chandail est fantastique. De deux chats. Il y a des chats qui disent Let's do drugs. Et l'autre dit No bro. Premier objet des vulgaires. Nous avons ma tuque que je vais porter tout l'hiver. Il est bien ou pas? Très beau. Il est bien ou pas bien? Donc c'est les paroles. Ceux qui mettent des haut-parleurs sur leur basic. Ceux qui mettent des lutins sur leur potique. Théo, qu'est-ce que t'en as pensé du spectacle? Sur 10. La journée du 10 novembre tire à sa fin. On nous quitte sur Théo qui joue de la basse.